avez demandé la police, ne quittez pas. Vous avez demandé la police, ne quittez pas. Vous avez demandé la police, ne quittez pas. On voit tous les jours son facteur qui vient vous apporter le courrier. Eh bien, on devrait tous les jours voir son agent de police. Bonsoir. D'entrée de jeu, je crois pouvoir vous dire que vous allez vivre et que vous allez participer à une soirée assez exceptionnelle. En effet, elle va permettre à des habitants d'Ivry, un certain nombre d'habitants d'Ivry, et à des policiers de cette même ville, de se rencontrer dans un face-à-face pour dialoguer, pour se poser des questions mutuellement, et peut-être, on ne sait jamais, pour s'affronter, mais nous l'espérons, dans un esprit de convivialité. On ne les voit pas. Alors, où sont-ils ? Cette soirée, qui est sûrement une première, sans nul doute, a été souhaitée par le ministère de l'Intérieur et elle a été confiée à une équipe de professionnels. L'organisation a été confiée à une équipe que nous représentons ici avec André Campana, à qui je passe la parole tout de suite, puisqu'il est lui aussi entouré d'invités. Puissance invitante oblige, je vais commencer par monsieur Guy Pochon. Vous êtes commissaire divisionnaire, directeur départemental des polices urbaines de l'Essonne. Jean-Marc Herbès. Monsieur Herbès, vous êtes inspecteur général de l'administration. Vous avez été directeur, peut-on dire, de la formation des policiers. Pour cette émission, une équipe de journalistes a mené l'enquête pendant un mois au commissariat central de la ville d'Evry. Sur 120 policiers interviewés, 56 ont été retenus et sur 200 habitants, 90. Chacun de ces groupes représentatifs s'est exprimé librement devant la caméra pour préparer cette première rencontre. Et tout le monde d'un invité exceptionnel que certains attendaient, une petite rumeur avait couru, que d'autres vont découvrir avec surprise, mais qui nous fait, je crois, le grand honneur d'être ici ce soir, monsieur Pierre Jox, ministre de l'Intérieur. Bonsoir, monsieur le ministre. Vous devez avoir un micro. Vous l'avez déjà dans la poche, c'est formidable. Très bien. Prestidigitateur. Mon grand-père était dans la police. Mon père était dans la police. Et moi, je suis dans la police, mon frère aussi. La première question qui s'impose, monsieur le ministre, c'est de savoir pourquoi vous avez souhaité et réussi à monter cette rencontre. Pour parler, peut-être au moins autant pour écouter, pour entendre et pour que les gens se parlent. Je crois qu'on peut tous gagner à ce que les problèmes de la sécurité soient traités entre les gens qui sont concernés, ceux qui s'en occupent, et ceux qui la souhaitent. Bien, nous avons eu l'occasion les uns et les autres, quand nous avons préparé cette émission, de parler, entre autres avec les policiers. Vous pouvez vous douter qu'il y a une petite inquiétude. Ils se disent, est-ce que je vais pouvoir tout dire? Est-ce que j'ai le droit de tout dire? Et qu'est-ce qu'il y aura après? Alors on est bien d'accord, il y a des règles du jeu, on est libre. Hein? Ah oui, oui, libre. Obligé d'être libre, parce que si on ne parle pas librement, ce n'est pas la peine de se réunir dans ces conditions. Très bien. Donc les règles du jeu sont claires, elles sont fixées. Cette émission sera émaillée de clips, de petits reportages qui ont permis aux uns et aux autres, c'est-à-dire la population et les policiers, de s'exprimer. Mais le premier vous concerne parce que nous leur avons demandé, aussi bien d'ailleurs à la population qu'aux policiers, si vous aviez Pierre Jox en face de vous, ce qui est le cas ce soir,
Que lui diriez-vous? Écoutez. Je féliciterai pour l'encadrement qu'il a réussi à donner quand même aux forces de police. Je lui demanderai de poursuivre dans la voie actuelle, à savoir de la modernisation de la police, qui est vraiment bénéfique. Ne vous déchargez pas forcément sur les communes de votre rôle de ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire que si on ne veut pas avoir des polices un peu parallèles, il faut véritablement remplir votre rôle à fond. Monsieur le ministre de l'Intérieur, donnez-nous les moyens, plus de moyens. Ben, je lui demanderai un renfort d'effectifs et disons, revaloriser les salaires. Qui pense à ma mutation. Qui s'attelle à une meilleure formation de ses policiers. Monsieur le ministre, nous sommes dans un pays qui a des valeurs, sans doute, et qui sont en perdition, et qu'il faudrait mettre les moyens nécessaires pour pouvoir les ressusciter. Ces moyens sont très divers. Surtout ne pas utiliser la force. Lui demander si la police est bien la même pour tous, quel que soit le niveau social, quelle que soit la couleur de peau, je pense que ça peut être des questions intéressantes. Si possible, de faire davantage de marketing à la télé, au cours de grandes émissions d'information, dire aux gens, voilà comment ça se passe, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on pourrait faire. Je voudrais que M. Jox défende ses fonctionnaires. Je lui demanderai d'aimer davantage ses flics. Comme il l'a dit une fois, je veux que les policiers m'obéissent, mais je ne veux pas qu'ils m'aiment. Ça ne m'intéresse pas. Alors je pense que là, on a tout compris. Bien, M. Jox, vous ne pouvez pas sûrement répondre à toutes les questions qui ont été posées. Quelle est celle que vous choisissez en priorité? La dernière? Les deux dernières. Les deux dernières, d'accord. Les défendre, les aimer, écoutez, des moyens, la formation, les mutations, enfin, beaucoup de demandes. On y viendra d'ailleurs un petit peu plus tard. Donc. Mais c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai un peu réussi. Et puis, voilà, je reviens dans ce ministère, et je pense qu'on peut faire mieux, on peut faire beaucoup mieux, on peut faire encore mieux. Alors, aujourd'hui, c'est ça, moi je demande. C'est pas seulement le dialogue police-population, c'est le dialogue police-police, police-hiérarchie, police-ministre. Parce que, sans cela, c'est un service public où il y a de très grandes qualités qui vont rester sous-utilisées. Et ce n'est pas uniquement une question de moyens, de crédit, de matériel, de véhicules. Est-ce qu'une question d'amour, parce que ça a été prononcé quand même? Ah, l'amour, c'est très important dans la vie. Mais... Vous les aimez ou vous les aimez pas? On ne peut pas être obéi sans être aimé. Alors tu es flic? Oui, je suis flic. J'ai commencé en amateur, en y cherchant partout. Et puis j'ai continué. Tu peux te vanter d'être à l'origine de ma brillante carrière, vois-tu. Police, bouge pas. On va sortir gentiment. J'ai pas payé mon café. Mais la police, c'est trop ingrat comme métier. Parce que par exemple, parce que je vois, parce que les gens, ils nous aiment pas. C'est con, hein, parce que nous, on est là pour les protéger. Hein. Eh bien, j'ai remarqué, les gens, plus il y a de flics autour d'eux, plus ils ont peur. Intervention, sécurité, rapidité. Présence, dissuasion et efficacité. Policiers, des hommes sympathiques. Un corps très noble que je respecte énormément. Peur. Répression. Je vous dis... Emmerdeur. Je dis problème. Ils n'aiment pas tellement trop les jeunes. Ils sont... Dès qu'ils nous voient, quoi, ils nous demandent les papiers. Dès qu'on est un petit peu frisé ou un peu... Et qu'on a la peau mate, on a tout de suite beaucoup plus de problèmes que si c'était un citoyen français. Il n'y a pas de visage sur un policier. Il y a une casquette, il y a un uniforme, c'est tout. Hein. Il y a ceux qui luttent contre la drogue. Ça, je les admire. D'un certain côté, ils assurent la sécurité. Mais de l'autre, il y a beaucoup trop de va-vues. La police, pour moi, à l'heure actuelle, je la vis bien, en ce sens que je sais qu'elle est là pour me protéger et me rendre service s'il y a lieu. Je pense qu'ils aimeraient tous faire leur travail, seulement on ne leur donne pas la possibilité de le faire. Ils sont un peu mal dans leur peau parce que les gens les considèrent toujours avec un œil
de répression ou l'étiquette sale flic, flic, sont des gens qui ont énormément évolué, mais je pense qu'on ne le fait pas assez savoir. Voilà, ce sont quelques exemples. Maintenant, je me tourne vers vous, messieurs, dames, pour savoir si on peut aller plus loin. Il y a des choses qui n'ont sûrement pas été dites et que vous avez envie de dire maintenant, c'est le moment. La police, je crois qu'on ne la voit pas assez sur Évry. On ne la voit pas assez, c'est-à-dire physiquement présent. C'est-à-dire que quand on les appelle, ils arrivent 2 heures après, c'est trop tard. Hein. Bien, alors là, écoutez, vous mettez en cause tout de suite une chose très importante. Qui veut répondre? Peut-être parmi les policiers tout de suite. Vous dites déjà, on ne les voit pas, bon, enfin, ça, on ne peut pas être partout, c'est un fait, mais enfin, quand vous dites, on les voit 2 heures après, alors, je puis vous dire que moi, responsable d'une brigade de roulement dans le commissariat central d'Évry-Corbeil, que des fois, par un manque d'effectifs, on est obligé de sélectionner les appels. Alors, je vais prendre un seul exemple, madame, pour un cas concret, à savoir si c'est un chien qui aboie, de nuit, un exemple comme ça, vous voyez, je vous dis... bien sûr, on arrivera peut-être 2 heures après ou on n'ira peut-être pas, suivant toutes les missions qui nous incombent. Voilà. C'est possible que pour un chien, vous ne déplacez pas, pour le bruit non plus. Mais le jour où les gens sortiront et feront du dégât avec leurs fusils, parce que ça va arriver chez nous, je pense que là, vous déplacerez, mais un peu tard. On a quand même vu dans le clip qu'il y avait pas mal de critiques, hein, je peux résumer. Bon, il y avait certains satisfaits, d'accord, mais aussi la répression, la police est contre les jeunes, il y a une certaine dose, entre guillemets, de racisme de la part de la police, les bavures, tout ça, on peut quand même l'aborder. Qui pense parmi vous que la police française est raciste? Je voudrais invoquer, moi, un problème qu'on a eu au jour de l'an, sur les Champs-Élysées. On était une quinzaine à peu près, même un peu plus, je dirais, et il était 2h du matin, et des CRS, bon, faisaient leur travail, ils faisaient la ronde, et il y avait des... 3 garçons et une fille, enfin je veux dire des Européens qui avaient des problèmes. Bon, on est parti les voir, on a discuté avec eux un petit peu, tout ça, on a arrêté un taxi, tout ça. Bon, il n'a pas voulu. Et à ce moment-là, 3 CRS sont arrivés, dont un gradé. Et il nous a demandé ce qui se passait, et on l'a expliqué qu'il y avait une fille qui se sentait mal, qu'on a voulu l'aider, tout ça, et il n'a pas voulu comprendre. Il a dit non, je pense pas. Il a interrogé la fille lui a répondu que c'était positif. Et à ce moment-là, il nous a dit, on a assez avec vous les ratons pour ce soir. Et il nous a dit, dégagez de là. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde à ce genre de provocation? Et moi, j'ai un contre-exemple. En l'occurrence, il y a quelques jours, j'ai été amené, avec mes collègues, à intervenir à Évry suite à un jeune beurre qui cassait une voiture et qui était prêt donc à la dérober. Et ce jeune beurre a été attrapé par les propriétaires du véhicule. Et je peux vous dire qu'il se faisait massacrer, lyncher. Nous, policiers... non racistes, nous sommes intervenus. Moi-même, je me suis interposé, je dis bien interposé, donc je ne me suis pas mis à la mêlée. Hein. Et j'ai pris des coups, j'ai été blessé. Je crois que là, c'est un exemple frappant, et on n'en parle pas. La presse s'en fait très peu l'écho, déjà d'une part, hein, je regrette de vous mettre en cause, les journalistes, mais c'est un petit peu vrai. C'est pas que je suis contre les policiers, pas tout à fait, puisque il n'y a pas longtemps, je me suis fait contrôler à l'Agora. Pas eu de problème, j'ai donné mes papiers, on a discuté avec les agents, ils étaient très sympathiques, on a rigolé pendant, je sais pas, 1 quart d'heure, 20 minutes. Ça s'est arrêté là, c'était très sympathique. Mais j'accepte pas que d'autres nous insultent parce qu'on est seulement immigrés. Lorsque vous avez commencé le clip sur la police, il est apparu des manchettes de journaux qui ont trait à un problème qui a été important et qui continue à être important dans la région parisienne. On a traité ce problème et on n'a jamais eu le moindre accroc en matière de racisme. Je parle de tous ces problèmes de bandes zoulous, de requins, de félins et autres. On n'a jamais eu un problème de ce type, ni dans les trains, ni dans les transports en commun, ni sur l'Agora. Et je suis heureux que le citoyen d'Évry ait trouvé un seul exemple et que cet exemple soit sur les Champs-Élysées, donc relativement loin de nous. Ici, on n'a pas eu de problème et personne ne nous a trouvé un. Bravo. Moi, je pourrais simplement ajouter qu'en fait, la police reflète, en tous les cas en ce qui concerne les gardiens de la paix, un peu le corps social français. Et les réactions des policiers, ou du moins à la base, sont un peu celles des Français en général. Et on peut se dire que dans certaines circonstances, les Français ont aussi de temps en temps manifesté des sentiments de ce type. Et peut-être que dans la police, ça se cristallise en certaines circonstances. Et qu'il y a une attention à porter à ces questions. Mais il y a un problème sur lequel il faut être toujours très attentif. Et à mon avis, la police est un corps très perméable. Et lorsque le pouvoir politique, et elle vit à côté du pouvoir politique,
est sensible à ces questions et veille à ce que sa police ne tombe pas dans ses travers, à ce moment-là, il n'y a aussi plus de garantie dans les commissariats, et dans les commissariats, les choses se passent mieux. Je crois que c'est une chose importante à dire que celle-là. Monsieur le ministre, vous pouvez y intervenir. Oui, parce que je suis d'accord avec ce que vient de dire Herbès. La police nationale, plus de 100 000 fonctionnaires, elle est à l'image de la société française. Il y a des Français racistes. Il y a des fonctionnaires racistes. Il y a des commerçants racistes. Mais un fonctionnaire de police, s'il a un défaut, s'il commet une faute, c'est plus grave qu'un autre Français. Il y a des Français qui boivent. Il y a des commerçants qui boivent. Il y a des enseignants qui boivent. Il y a des policiers qui boivent. Mais un policier, s'il commet une faute, c'est plus grave. C'est normal, d'ailleurs. On exige d'eux beaucoup de sécurité. On l'a dit, là. Et on veut qu'il n'ait aucun défaut, aucune erreur, aucune bavure. Il y a cette exigence qui est normale, qui est démocratique. On vous demande beaucoup, mais moi je vous demande ce que demande, je crois, la majorité des Français, c'est-à-dire remplir ce service public et toujours être plus exigeant envers vous-même. Pourquoi ? Parce que l'opinion publique est plus exigeante envers vous. Alors on a peut-être aussi, on peut aussi un peu exiger quelque chose de l'opinion publique, mais ça c'est une autre histoire. Des gens, l'idée du policier, c'est la matraque, et c'est pas autre chose. Lorsqu'il y a un accident de travail, on ne dit pas c'est une bavure. Par contre, quand c'est un accident de travail au niveau police, de suite, ce n'est pas un accident de travail, c'est une bavure. En fait, on a appelé bouc émissaire. On a une masse d'étrangers qu'on a en plus, et puis bon, bah, il faut assumer. À partir du moment où on commence à les toucher avec petite brutalité, hein, là, ça y est, tout de suite, ça dégénère. Hein, il faut pas les toucher, c'est tout. Ça veut dire qu'ils ont des avantages que le Français, lui, n'a pas chez lui. Le racisme, en fin de compte, il vient pas tellement de nous, hein, il vient plutôt de la part des autres. Hein. Nous, on intervient que ce soit un blanc, un noir, un jaune, pour nous c'est pareil. Hein. Le fait d'être dénigré continuellement par des gens qui, en fin de compte, qui connaissent rien, ne cherchent même pas à se documenter, ou n'essayent pas de discuter, parce qu'en fin de compte, c'est le dialogue qui fait beaucoup. Et il y a des gens qui refusent catégoriquement le dialogue. Les gens, ils habitent à 2 mètres les uns des autres, au lieu de se parler, faire quelque chose, non, ils appellent la police. En France, on n'a pas vraiment l'impression que les gens participent, essayent de participer à l'action de la police. Les trois quarts du temps, les gens ne se présentent pas spontanément. Si on parle de certains problèmes comme la drogue, les gens ne veulent par exemple pas faire de délation. Un citoyen, s'il veut que la police soit efficace, il devrait coopérer avec elle, en donnant des informations et non pas en se faufilant comme ils ont l'habitude de le faire, pour la majorité d'entre eux, à savoir ne rien voir, ne rien entendre, sauf quand ils sont eux-mêmes attaqués. Les jeunes pourraient dire, mais je vais donner les raisons, pourraient dire qu'il y a un certain racisme de jeunes. Pour quelles raisons ? Parce que les jeunes posent des problèmes, ça a été de tout temps. Or, actuellement, il y a la drogue en plus, c'est-à-dire que c'est des gros problèmes qui nous posent les jeunes. Et ce que je reproche, moi, bon, je m'occupe beaucoup de jeunes et d'une maison de quartier, ce que je reproche, justement, on laisse trop faire, c'est-à-dire qu'on ne respecte plus la police. On a souvent eu des problèmes chez nous, on a porté plainte à la police, et il n'y a pas eu de suite de dossiers. Je pense que c'est le dialogue qui doit être permanent, et je l'ai toujours en tant que responsable d'une communauté, j'ai toujours réglé les problèmes de la communauté qui vient me voir, par un dialogue permanent avec M. Lahort, même à rentrer en contact avec d'autres commissaires de la périphérie. Je pense que le dialogue, c'est quelque chose de fondamental. Allez-y, monsieur. Voilà, moi j'aimerais, si c'était possible, que les policiers en tenue participent dans les écoles, et principalement primaires, pour se faire connaître leur rôle, pour intervenir sur les problèmes de sécurité, sur d'autres domaines. Madame, elle attend depuis longtemps pour prendre la parole. Allez-y, madame. Moi, je n'ai jamais eu de problème.
Pourquoi? Parce que je sais dialoguer avec eux. Je ne veux pas dire ce que j'ai fait, mais bien des fois, nous sommes intervenus ensemble auprès de quelqu'un et nous avons fait des choses merveilleuses. Là, je peux dire qu'il manque de l'information de ce corps et peut-être que les autres aussi, avec nous, n'ont pas le contact facile. Ils sont là souvent en balade. Ils arrivent dans une ville très difficile, il faut l'avouer, des quartiers très difficiles. Et, monsieur le ministre, envoyez-nous des policiers. En ce qui concerne les relations avec le public, je pense qu'effectivement, il y a un acte à faire de notre part. On doit faire un pas pour aller vers le public. On doit aller voir les gens, leur dire « on est là ». Vous pouvez être tranquille, on est là. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on est là. Mais il y a aussi un pas du public qui doit... là, je vais revenir sur une affaire qu'on a eue il y a quelque temps de drogue dans un quartier de Corbeil, où pendant un an, les gens avaient sous leurs fenêtres des trafiquants de drogue, sans rien faire. On n'avait rien. Les gens nous disaient « pas, il y a telle voiture qui vient » ou « il se passe quelque chose ». On n'avait rien, aucun renseignement. Pourquoi? Alors, par peur ou parce qu'ils ne voulaient pas être des délateurs? Je sais pas. Franchement, je peux pas dire. Les seules personnes qu'on pouvait contacter à ce moment-là, c'était peut-être le gardien d'immeuble. C'était vraiment des gens qui étaient bénévoles et qui faisaient, eux, l'effort de venir. Mais c'est vrai qu'on s'est vu reprocher, même après. Personnellement, je me suis vu reprocher d'être intervenu chez une personne parce qu'elle trouvait qu'on avait fait trop de bruit, parce que, je sais plus, on était monté dans son immeuble en force... alors qu'on intervenait. Alors, je veux dire, il y a quelque chose qui ne colle pas, là. Sur le fait que le public doit aller vers la police, M. Pochon, je vous ai entendu dire qu'il ne faut pas rêver. Non, il ne faut pas rêver, à savoir que la communication, c'est évident, tout le monde l'a dit, c'est quelque chose d'essentiel. Et notamment dans la région parisienne, la vie de tous les jours, de tous les citoyens, de tous les franciliens, comme l'on dit maintenant, souffre de ce manque de communication. Alors, que les policiers... rêve de voir la population, de voir les gens qui sont chargés de protéger venir vers eux. Non, je ne le pense pas. Ils sont tout à fait réalistes. Je crois que c'est à nous d'aller vers la population. C'est très difficile. Pourquoi? Parce que les gens dans cette région ont une vie extrêmement stressante, perturbante. Ils rentrent du travail, ils sont irrités. Il est évident que quand nous intervenons souvent préventivement, dans les contrôles de vitesse, par exemple, ils le prennent bien moins... avec beaucoup moins de facilité qu'en province, où il y a les villes sont beaucoup plus à visage humain. Dans cette région, c'est très difficile. Alors, nous faisons un effort énorme, nous continuerons à le faire, croyez-le bien, parce que ça commence à porter ses fruits pour aller vers vous, mais les gens auront toujours cette espèce, enfin, pour l'instant, ils l'ont encore, cette espèce de méfiance quand ils rentrent dans un commissariat, etc. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous cherchons à faire cette expérience sur Évry, à rendre les commissariats plus accueillants. C'est un travail de longue haleine. Madame Hubert, s'il vous plaît, l'inspecteur vous attend. C'est peu incitant de se rendre dans un commissariat. La plupart du temps, c'est sale, c'est lugubre. Il y a des grillages, enfin des grilles. Je trouve illogique, que ce soit comme à Sécurité sociale ou à la Poste, quoi, parce que quand on va dans un commissariat, c'est déjà un problème plus important, qu'on soit obligé de dire « Monsieur, je viens pour telle et telle chose » et que 50 personnes, par exemple, vous entendent. Quand on va déposer plainte, par exemple, hein, on a vraiment l'impression que l'officier qui est en face de vous a l'air de vous dire « Mais vous savez, de toute façon, ça ne sert pas à grand-chose. » Si bien que quand on en ressort, si de nouveau on est confronté à ce genre de problème, on se dit « Mais c'est vraiment pas la peine de se déplacer, ils ne font rien. » Ils prennent souvent l'affaire sur le plan administratif, ils ne s'occupent pas des relations humaines. Il y a très peu de relations humaines entre policiers et le public. Un flic, on lui apprend le code de la route, on lui apprend à faire un constat, on lui apprend à faire un procès verbal, mais on ne lui apprend pas à causer à l'autre. Quand on se fait arrêter, on est en train de conduire une voiture, ben, on ne braque avant de ne faire descendre. Je crois qu'il faudrait aussi arrêter un peu ce cinéma-là. Mon bar, il a été cassé deux fois déjà.
Et bon, bah, c'est sûr qu'ils peuvent pas tout le temps être là, mais il faudrait qu'ils soient un peu plus dissuasifs, quoi. Il faut être vachement plus violent, là, ça va pas, ça. C'est complètement le bordel, maintenant, ici. Hein. Bon, de toute façon, ici, ou n'importe quoi, dans la banlieue parisienne, c'est complètement l'anarchie, hein, maintenant. Il faut un peu plus d'ordre, il faut prendre la situation en main, carrément. Il a de l'humour, ce monsieur. Bien, alors là, il y a beaucoup de choses à dire. On n'a pas encore entendu de femme. Madame, si vous voulez bien prendre le micro. Non, il y a quelque chose quand même de tout à fait anachronique, c'est qu'à la fois on nous demande d'être beaucoup plus humains, d'écouter, de résoudre les problèmes de la population, de partager un petit peu leur malheur, d'un autre côté d'être plus violent, et bon, là, je ne comprends pas très bien, hein, on vous écoute, ou on joue un petit peu l'assistante sociale, ou alors on est beaucoup plus répressif, on ne voit pas tellement le rôle que vous attendez de nous dans ce cadre-là. Bon, je veux dire, c'est pas « oh, je vous adore, je compatis » et tout ça, c'est pas non plus la matraque qu'on vous tape dessus, hein. Je veux dire, vous pouvez faire preuve de nuance, puisque vous êtes des êtres humains, vous n'êtes pas des machines ni des ordinateurs qui ont enregistré les plaintes. Vous n'êtes pas nuancé, alors? Non, je crois que, enfin si, on est nuancé, c'est-à-dire qu'il faut demander également du professionnalisme, et je crois que c'est ce qui est peut-être le moins perceptible pour vous. On est d'abord des professionnels de la sécurité, et on doit réagir en professionnel. S'il fallait à chaque fois intégrer tous vos malheurs, tous vos problèmes, ça serait également invivable pour nous, je veux dire. Il est tout à fait, c'est aussi notre propre protection de réagir en tant que professionnel. Mon intervention concerne le métier de policier, qui est au cœur des choses, des relations humaines. Les humains, en général, sont tous mus par beaucoup de craintes. Et vous, le cœur de votre métier, c'est justement une situation de peur. Il y a vous-même qui avez sans doute un peu peur, et bien sûr, l'autre personne en face qui a peur. Une des choses qui serait première à réaliser, ça serait davantage que vous maîtrisiez, vous, plus la peur que vous avez, qui est une peur humaine, face à nous qui avons également peur. Et la rencontre de deux peurs, ça fait des gestes, des premiers gestes, qui sont violents. Ça fait des masques sur la figure qui sont durs. Et on se dit que ça va mal se passer parce que l'autre, il a peur et j'ai bien raison de laisser ma peur m'envahir. Aussi, je vais avoir peut-être des gestes inconsidérés, des gestes de peur et je vais faire mal. Donc, je vous inviterai donc à travailler plus particulièrement la maîtrise de votre peur et dans les premiers messages que vous envoyez aux citoyens, que ce soit des messages de paix. Et les messages de paix, ce n'est pas facile à envoyer quand on a peur. Non mais d'accord monsieur, on peut répondre facilement à cette question. Hein. On est des êtres humains avant tout, hein. Tout à l'heure quelqu'un l'a dit ça. Hein. Alors la peur, elle n'existe pas à chaque intervention, ça dépend de l'intervention. Mais je veux dire, on n'est pas des robots. Hein. S'il y a de la peur, il suffit de la maîtriser et c'est tout. Hein. Je veux dire, vous avez peut-être peur suivant l'intervention, suivant comment on intervient. Mais nous aussi on a un petit peu peur et c'est normal. Hein. Ça, on peut pas l'enlever. On est des êtres humains et pas des robots. Si on était des robots, ça se passerait peut-être plus mal encore. Hein. Monsieur Herbès, est-ce que on apprend aux policiers dans leur formation, dans les centres de formation, à maîtriser cette peur? Est-ce que la peur joue un rôle? Oui, dans les écoles, on joue sur les trois plans, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Et je crois que ce qu'a dit monsieur est d'abord a été très beau. Et je crois que la peur existe chez les policiers. Et on n'en parle pas assez, je crois, dans les services de police. Et non pas qu'ils ne soient pas courageux, mais enfin, ils sont dans des situations souvent difficiles. Et à mon avis, c'est un thème qui n'est pas assez évoqué après l'action. Alors, vous parlez de la formation. La formation peut bien sûr faire quelque chose. Tous les problèmes de relations police-public, les problèmes de la sécurité des personnels pour avoir moins peur, tout cela est évoqué et traité. Il y a maintenant des psychologues dans les écoles de police. On le fait, mais il faut dire que c'est très difficile à enseigner ce genre de choses. En ce qui nous concerne, quand on intervient, c'est vrai qu'on a peur, mais la peur, c'est le moteur des précautions qu'on va prendre. Je vais revenir
revenir sur le clip du monsieur qui disait « je me baladais en voiture et je me suis retrouvé braqué par un policier ». Il n'a pas expliqué dans quelles conditions ça se passait. Il est vrai qu'en ce qui nous concerne, enfin en ce qui me concerne, il m'est arrivé de sortir mon arme pour me mettre en protection, pour assurer la protection des collègues. La peur, moi je pense, contrairement à monsieur, la peur, je pense que c'est les honnêtes gens qui l'ont. Quand ils voient un policier, c'est vrai qu'ils ont peur d'un policier. Les gens qui ont quelque chose à se reprocher, ils ont rarement peur d'un policier. Il faut que le policier lui montre que justement, il veut lui faire peur, il veut créer un certain moment un stress qui lui permette justement d'agir et de maîtriser cette personne, de la mettre en situation d'infériorité. La peur, pour nous, c'est une arme. Pourquoi vous avez choisi ce métier, vous ? Pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Parce que je pense que c'est un métier qui permet le contact avec le public quand on a les moyens de le faire. Merci. Je vais vous parler de la polyvalence des policiers, qui a l'air de ne pas être bien entrevue par le public. Personnellement, quand j'arrive à ma petite sacoche, on me dit toujours « bonjour docteur ». Donc nous intervenons sur toutes sortes d'affaires, depuis l'enfant qui disparaît de 7-8 ans, qu'on nous signale à 20h, et il faut la majorité des collègues en tenue ou en civil, pour rechercher ces garçons, il n'y a pas d'affaires judiciaires, mais il y a quand même un danger éventuel. Donc ça nous arrive de faire des soirées assez longues qui ne sont pas toujours perçues par la population. Sur un décès à domicile, on va faire le travail du médecin qui ne voudra pas toucher le corps. Nous nous retrouvons, il faut quand même voir s'il y a quelque chose de pas normal. Après, on se retrouve avec les plaintes. Il faut toutes les prendre, depuis le vol de paillasson, jusqu'en même temps qu'on nous annonce au téléphone qu'il y a un homicide à quelque part. Il arrive une telle diversité de tâches qu'il faut nettement plus effectif. Monsieur le ministre, quelqu'un qui d'ailleurs est là, de la population, une habitante, se plaignait du fait qu'au fond on ne reçoit pas les plaintes, qu'il y a beaucoup de difficultés à porter plainte. Est-ce qu'il y a des mesures ou des éléments nouveaux dans ce domaine qui permettent d'améliorer la situation ? C'est une des mesures qui a été... Vous voyez comme c'est lent. J'étais pour la première fois ministre de l'Intérieur lorsque cette qualification judiciaire pour les fonctionnaires de police a été envisagée. Et je viens de signer, il y a quelques jours, presque quelques heures, une circulaire qui étend des compétences des fonctionnaires de police. Alors, on peut dire que c'est un bien, parce que ça rapproche le service public de police de la population, et ça va aussi provoquer une demande supplémentaire. C'est-à-dire que pour les fonctionnaires de police, c'est à la fois un accroissement de responsabilité, ce qui est valorisant, je pense, pour eux, mais aussi une charge nouvelle. Et ça, c'est une des caractéristiques de ce métier que j'ai appris, au fond, progressivement à découvrir. C'est qu'il est très exigeant et que, d'une certaine façon, c'est vrai en tout cas en France, les Français exigent de la police nationale ce qu'ils espèrent de mieux de la France. Et ils ne sont pas prêts à aller plus loin dans l'examen des difficultés, une réunion comme celle d'aujourd'hui, ou les actions de prévention qui sont entreprises dans certaines communes. Pourquoi est-ce qu'elles aboutissent à une diminution du nombre de délits ? C'est parce qu'on s'aperçoit que un certain nombre de gens, quand ils se rencontrent, lorsqu'ils observent quelqu'un à parler, je ne sais pas, un des fonctionnaires qui était là disait « Pourtant, il y avait longtemps qu'on voyait qu'il y avait de la drogue. Mais personne ne nous a jamais dit « Telle voiture vient souvent. » Ce sont des choses aussi simples. Ce n'est pas la délation. C'est la participation à quoi ? À la prévention de la délinquance. Eh bien, vous savez, personne ne peut s'imaginer que la sécurité va être rétablie en France. Je réponds « Et à vous ?» Et à vous, parce qu'on va augmenter de 5%, de 10%, de 20% les effectifs de police. C'est pas vrai. Elle augmentera parce qu'on utilisera mieux les compétences des uns et des autres et une participation des uns et des autres.
Je voudrais rejoindre un petit peu ce que vient de dire Monsieur Pierre Jocques, c'est que les dialogues, contrairement à ce qu'on croit, ils existent en, disons, très très peu, mais quand ils existent, on est bien content de les trouver. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai eu affaire à un petit dialogue avec un policier. Il est ici ce soir, je ne le citerai pas, mais il m'a beaucoup aidé. Il m'a, disons, guidé vers des choses que je devais faire au lieu de me donner fausse route. Et il m'a bien accueilli. Ce genre de choses, si ça pouvait arriver plus souvent, je pense qu'il y aurait déjà beaucoup d'améliorations dans la police et les entretiens entre policiers et personnes ici. Comment répondre aux nombreuses demandes de la population? Ça dépend généralement des conditions d'exercice du métier. Les policiers, on va le voir d'ailleurs, se posent eux-mêmes des questions et en posent aussi à leur propre hiérarchie. Voici donc la deuxième partie de cette émission, Profession policier. Qu'est-ce qu'il y a de plus formidable? On cherche de l'entraide entre êtres humains. On assiste à la population plus souvent, on fait plus souvent du social que de l'interpellation pure. Hein. Quand vous retrouvez un gosse, bon, bah, vous le rendez à la mer, un truc comme ça, c'est vraiment des trucs où on est content. C'est une sécurité d'emploi, et puis bon, on dit que c'est un métier d'homme. Ce que j'aime le moins, la routine du travail. Rester assis sur une chaise et puis attendre que le temps passe. Là, je me sens vieillir et ça me plaît pas. C'est pas très intéressant et très intellectuel d'appuyer sur un bouton pour faire lever ou baisser une barrière. On n'a pas besoin d'un fonctionnaire de police pour ça. Qu'est-ce que j'aime le moins faire? Mais c'est tout ce qu'on appelle les charges indues. C'est les lettres qu'un tel écrit au procureur de la République en disant que son voisin fait du bruit, alors on nous renvoie le dossier en demandant une enquête. C'est tout ce... toute cette paperasserie qui nous bouffe du temps, qui nous empêche de nous consacrer vraiment au boulot pour lequel on est là. C'est quand même assez stressant au niveau nerveux. Et en fin de journée, il est possible qu'on ait un mot plus haut que l'autre vis-à-vis d'un contrevenant qui attise un peu, quoi. Le plus important dans notre métier, ce n'est pas de savoir tirer au revolver, ce n'est pas d'être ceinture noire en sport de combat, c'est tout le reste. Il y a une chose, moi, qui m'a personnellement frappé, c'est l'un de vous qui a dit « Policier, c'est un métier d'homme ». Et pourtant, dans cette salle, il y a quand même pas mal de femmes. Alors, j'aimerais bien avoir une réaction d'une femme, là. Je crois que dans la police, il faut de tout. Hein. Il faut des hommes, des femmes. On est complémentaires dans la vie, donc on doit être complémentaires dans le travail. Et dire que c'est un métier d'homme, c'est encore peut-être garder une des images qui n'est plus non plus celle que veut entendre le public. C'est une image de virilité, c'est une image de, non pas de, enfin de violence, mais bon, on est aussi là pour faire avancer les choses, pour donner un autre point de vue. Le public applaudit, Oui, il applaudit. C'est la population qui applaudit. Quel est quand même, simplement, toute petite chose encore, quel petit plus que vous apportez par rapport aux autres? Peut-être bon, tout ce qui pourrait être esprit féminin, esprit pour aborder les problèmes différents de ceux d'un homme. Vous êtes plus patiente aussi, non? Patiente, pas forcément. Mais bon, on a peut-être une sensibilité différente et qui nous permet d'avoir une écoute différente de celle d'un homme. Une analyse aussi du problème différente. On analyse différemment les choses. Plus finement. Pas forcément non plus, mais d'une autre façon. Bien, à l'heure actuelle, si vous voulez, vous avez environ 8% de femmes dans la police, essentiellement région parisienne, parce que comme ce sont des recrues nouvelles, c'est à Paris qu'on les voit. En province, vous voyez très peu de femmes. Globalement, ça a été une opération assez difficile, car la police est une société d'hommes, et disons-le, un peu machiste. Et voir des femmes faire le même travail qu'eux, ils ont considéré que ça... dévaloriser un peu leur métier. Et donc, il y a eu là à faire des efforts d'accueil de la femme. Globalement, le public est très satisfait de voir des femmes dans la police. Il en demande encore plus. Mon ancienneté, je dirais malheureusement, me permet de me souvenir très exactement ce que j'ai ressenti, et ce qui était là d'ailleurs, ce que ressentaient la plupart des policiers hommes, quand on nous a parlé de femmes qui allaient dans la police. Au départ, nous n'étions vraiment pas tellement d'accord. On ne voyait pas très bien ce qu'elles pouvaient nous apporter. Et puis,
Il y a d'abord eu des femmes inspecteurs, puis des femmes commissaires, et enfin des femmes gardiens de la paix. Et puis, il a fallu faire amende honorable, et je suis sûr qu'il n'y a pas un seul policier ici dans cette salle qui me contredira en disant que la femme, comme le disait Mme Talmot avec la pertinence qu'on lui connaît, la femme nous a apporté beaucoup. Elle nous a apporté beaucoup d'abord à nous, policiers, parce qu'elle nous a fait voir notre métier avec des yeux différents. Le nombre d'inspecteurs est le même que dans les années 70 à peu près. Ce qui est vraiment pas normal du tout, parce que la population a doublé. On se dit que pour pouvoir tout traiter, il nous faudrait bon, effectivement plus de personnel et plus de matériel. Les vestiaires ne sont pas propres, ils sont délabrés, on est entassés. En France, c'est pas la police de papa, mais presque. On réclame des moyens, des voitures, des radios, ce qu'on appelle des bip-bip. Du matériel un peu plus neuf, ne serait-ce que pour les machines à écrire. Ne plus avoir ces sacrées machines anciennes où il faut taper comme des fous dessus pour arriver à faire un rapport. Mes collègues sont confrontés à des difficultés, quelquefois même financières, parce qu'un policier n'est pas, je ne sais pas si la population le sait, mais un policier n'est pas payé comme il devrait l'être. Dans cité Quévry, il est assez fréquent qu'il n'y a pas de patrouille du tout. Car la patrouille, elle sert à tout à Évry. Je pense que le public doit le savoir lorsque tout à l'heure, il nous disait on appelle la police, elle ne vient pas. Mais la raison, la voilà. C'est que les gens de patrouille, les fonctionnaires de police de patrouille, ils emmènent les gens au parquet, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Et pendant ce temps-là, ben vous n'êtes pas protégés. C'est tout ce que j'avais à dire. J'ai fait une enquête lorsque nous avons fait le plan de formation. Je crois que les policiers ici ont sans doute reçu des questionnaires à ce sujet. Et à la réponse, qu'est-ce qui fait que ce qui vous gêne dans votre métier, la réponse, par exemple, est de dire pas assez de moyens, 35%. Et par contre, ce qui les gêne le plus, et c'est 50%, c'est de dire il y a trop de paperasse et on n'est qu'un maillon de la chaîne. Enfin, si vous voulez, les moyens sont perçus comme source d'inefficacité, mais pas autant qu'on le pense. De même pour les effectifs, pour être plus efficace dans la sécurité, qu'est-ce qu'il faudrait? Ils disent pour les effectifs, 37%. Alors que les autres réponses, plus de 59% des policiers disent il faudrait qu'on soit mieux employé, qu'on soit mieux réparti sur le territoire et qu'on soit mieux formé. J'entendais dire une dame tout à l'heure que depuis 72, les choses n'avaient pas bougé. Que si vous voulez, en 18 ans, la police a augmenté de 25%. Enfin, il y a eu 25 000 personnes de recrutées. C'est considérable. Enfin, et à l'heure actuelle, je crois que ce qu'il faut chercher à faire, c'est à mieux employer les personnels plutôt qu'à développer des politiques de recrutement intensifs. Il y a quelqu'un qui n'a rien dit ici ce soir. C'est le nouveau directeur général de la police nationale, M. Roussely. Il a fait avec moi le plan de modernisation de la police, il y a quelques années, qui consistait à essayer de boucher des trous béants. Il fallait des véhicules, il fallait des locaux, il fallait des matériels de transmission. C'était utile, et on va continuer. Mais il y a autre chose à faire. C'est ce qui vient de se passer, qu'ils se parlent de ces problèmes-là, entre des habitants et des fonctionnaires, entre des architectes et des mères de famille, entre eux aussi, entre des fonctionnaires de tout grade, entre des gradés et ceux qui ne le sont pas, des anciens et des jeunes. Parce que les problèmes de communication et de parole dans la police, ils existent aussi. Pas spécialement s'exprimer. On donne les ordres, on exécute et puis on n'a pas discuté. Il n'y a pas assez de dialogue entre les autorités hiérarchiques et les petits que nous sommes. C'est plus un fossé, c'est un gouffre. Déjà qu'on ne nous prenne pas
pour des imbéciles, entre guillemets, n'est-ce pas? Et puis à partir de là, eh bien, nous respectant un peu plus, qu'on nous demande notre avis sur certaines choses, mais que ça ne dégringole pas du haut vers le bas uniquement, qu'il y ait une concertation de base. Faire confiance aux gens, ne pas considérer les fonctionnaires de police comme des enfants de 13-14 ans. On a toujours peur de la sanction, hein. On ne sait pas qui va regarder le film déjà, on ne sait pas ce que vont penser déjà les gens qui vont regarder le film, hein. Je ne parle pas de la population, hein. Je parle au point de vue hiérarchique, hein. Donc, il y a des choses qu'on ne dit pas, quoi. Monsieur Pochon, est-ce qu'il va y avoir une évolution du mode de commandement dans la police? Qu'elle existe? Est-ce qu'elle va s'amplifier? Dans quel sens va-t-elle? Ça va me permettre de répondre à cette question. Monsieur le ministre avait tout à fait raison de dire qu'il était surpris, moi-même d'ailleurs, que le débat ne soit pas venu justement sur cette question des rapports hiérarchiques. Alors, il est certain que... Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, car c'est très important, la police est en train de bouger, très vite. Pas trop vite, mais très vite. Alors aujourd'hui, qu'en est-il? Aujourd'hui, le management, pour employer un terme moderne, est en train de se développer dans la police. Tout se modifie. Il y a un plan de formation qui va toucher tout le monde, du directeur départemental, du commissaire divisionnaire au gardien de la paix. Et c'est indispensable. Alors, il va être axé autour de quoi, essentiellement? D'abord, justement, sur la vie à l'intérieur des services de police, pour qu'il y ait une véritable communication. Monsieur, une toute dernière intervention. Vous voulez vous lever, si vous voulez, que vous soyez très, très grand. Oui, mais ça fait rien. Alors, donc moi, monsieur le ministre, ça sera en conclusion, au nom de tous mes collègues, parce qu'on en a parlé, mais enfin, on n'est pas rentré tellement dans les détails du fait que nous sommes pris par le temps, il me semble. Donc, je vous demande et je vous remercie. Déjà, nous avons une satisfaction, à savoir un renfort d'effectifs. Et croyez-moi, au niveau tenu, nous avons attendu. Il y avait des fois, on n'en aura pas, ceci, cela, de la part de nos chefs de service. Donc, je vous remercie de nous avoir, fourni quelques effectifs insuffisants dans les médias. Et surtout, votre visite et cette émission, car ça nous a apporté beaucoup. Un poste d'accueil bien rénové, des peintures partout. Des sièges en bon état, alors que le corps urbain d'Évry-Corbeil récupérait la plupart des différents services, je ne dirais pas une machine à écrire de 1974, je passerai sur l'année, mais enfin c'est vrai, moi chef de brigade, j'ai honte des fois de recevoir le public, hein, et je le dis, quand je dis à un gardien, prenez l'audition pour un vol de ceci, de cela, j'ai honte à voir les machines à écrire que nous avons, les locaux vétustes, hein, et là c'est un bien de votre visite, car... Il y a eu beaucoup de faits. Revenez nous voir plus souvent et même inopinément, de jour comme de nuit. Merci, monsieur le ministre. Je crois qu'il faut dire là quelque chose. Les travaux de réfection donc, de l'accueil du commissariat ne sont pas le fait de la venue de monsieur Pierre Jox ce soir. C'est une opération, il faut quand même que les Évriens le sachent, car c'est quand même un honneur pour la ville nouvelle d'Évry. L'hôtel de police d'Évry a été choisi comme pilote, comme vitrine. C'est une opération qui va, si vous voulez, permettre de situer exactement l'accueil dans un commissariat tel qu'il devrait être dans tous les commissariats. Puisque tout le monde a le droit de tout se dire, de même que ce fonctionnaire peut me parler avec une certaine agressivité, moi je peux lui répondre avec calme. Il se trompe complètement, mais il a le droit de se tromper. Cette cassette qui va sortir de la... du mélange de ce qui a été des interviews des uns et des autres dans un premier temps et ensuite de ce qui aurait pu être filmé ce soir, va pouvoir être diffusé dans des services de police, combien? 10, 30, 50, on verra, pour provoquer à l'intérieur d'autres services de police, d'autres que celui où nous nous trouvons aujourd'hui, des débats, des discussions sur le métier, sur les perspectives, sur la modernisation, sur les aspirations, sur les contacts entre la police et la population. J'ajoute que dans ce domaine, comme dans tous les autres dans la vie, il y a une certaine compétition. Car la police nationale n'est pas la seule sur laquelle les Français comptent pour assurer leur sécurité. Il y a d'autres services, publics ou non. Service d'État ou non? La demande de sécurité, qui y répond en France? Les services de l'État, qui s'appellent police nationale, gendarmerie nationale, douane et quelques autres encore.
des polices municipales, plus ou moins développées, des services privés, plus ou moins répandus. Et selon les pays, selon les époques, selon les régions, cette compétition, ce sont les uns ou les autres qui la gagnent. Moi, ce que je propose à la police nationale, c'est de remplir cette mission qui, je crois, en fait une des meilleures d'Europe. Mais il y a des choses qui ne peuvent être apportées ni par des crédits, ni par des textes, ni par des circulaires. C'est ce qui s'est manifesté ce soir à plusieurs reprises, c'est-à-dire un amour du métier, une disponibilité, une capacité de mobilisation et aussi le sens. Tout à l'heure, quand l'un d'entre ceux qui sont là disait « quand on ramène un enfant à sa mère, on sait ce qu'on a fait », et inversement, qui disait « quand on est là appuyé sur un bouton pour faire lever une barrière, on ne sert à rien ». C'est un défi qui n'est pas gagné. Et moi, je pense qu'il est gagnable.